Le béaba sur le pump track est de savoir accélérer sans pédaler, en faisant des mouvements de pompage qui génèrent de la vitesse sur les bosses et dans les virages. Si ta roue avant est sur une montée, tu enlèves le poids de tes bras en les fléchissant. Lorsque ta roue avant repart sur la descente, tu retends tes bras pour augmenter la pression sur la roue avant. Pour les jambes, c'est exactement la même chose. Quand ta roue arrière est sur une montée, tu enlèves le poids du vélo en fléchissant tes jambes. Dès que ta roue arrière est sur la descente, tu retends tes jambes pour augmenter la pression sur la roue arrière. La combinaison de ces mouvements signifie que tu commences par plier tes bras pour retirer la charge de la roue avant. Et ensuite, tu t'occupes de la roue arrière. La même chose pour la descente. Tendre d'abord les bras et ensuite les jambes. Si tu déplaces en plus ton centre de gravité en avant et en arrière, tu profiteras d'une accélération supplémentaire.